Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis et chers jeunes que j'ai eu déjà le plaisir de voir sur le trottoir ce matin, donc ça fait plaisir de revoir des jeunes dans cet amphithéâtre. Je me présente, je suis Danielle Olivier, donc la vice-présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie et donc l'organisatrice depuis 2007 maintenant de ces colloques chimiés avec des collègues qui m'ont fidèlement et gentiment accompagnée depuis cette date. Je remplace aujourd'hui le président Bernard Bigot qui a eu des problèmes importants sur le plan personnel qui l'empêche d'être présent aujourd'hui et vous prie de l'excuser. Et c'est un grand honneur pour moi de le remplacer donc pour faire cette introduction. Ce colloque, c'est un plaisir de voir que, même si on est moins nombreux que d'habitude, et tout le monde n'est pas arrivé, hein, puisque normalement, on attend plus de 800 personnes, donc à première vue comme ça, je crois qu'on n'est pas encore 800, mais il y a exactement juste un an, eh bien, à cause du Covid, donc, nous avons été obligés de le reporter, et c'est vraiment une grande joie pour tout le monde, donc de se retrouver aujourd'hui avec la fidélité de nos conférenciers qui nous ont accompagnés fidèlement dans cette tâche et puis donc tout le dévouement du personnel de la Fondation de la Maison de la Chimie. Alors, la Fondation de la Maison de la Chimie met tout en œuvre depuis le début de la pandémie Covid-19 pour assurer la pérennité de ses actions. Mais vous l'avez vu, cela dans le strict respect des mesures sanitaires préconisées. Et donc, dès que cela a été possible, et cela fait un peu plus d'un mois que mes centres de congrès sont ouverts, nous avons organisé ce colloque. Le thème de ce colloque est d'une forte actualité. Les relations entre l'agrochimie et les attentes de la société sont loin d'être simples, comme l'illustrent les prises de position publiques depuis quelques années. Pourtant, des relations sereines et mutuellement confiantes, ainsi que ce fut longtemps le cas entre les agriculteurs et la société, dans tout son ensemble et la chimie, sont indispensables pour le bon équilibre à la fois de notre alimentation, de notre santé et plus globalement de la planète. Les difficultés liées au respect des mesures de sécurité sanitaire ne nous ont donc pas permis d'accueillir en présentiel le public au sein de la Fondation à la date qui était initialement prévue en novembre 2020. Mais compte tenu de l'importance sociétale, économique, scientifique, pédagogique du thème de ce colloque, les conférenciers et le comité d'organisation ont jugé qu'un large débat en présentiel avec le public était indispensable. Et c'est pourquoi nous avions décidé le report de ce colloque à une date où cela serait effectivement possible, tout en enregistrant et en rendant possible aux internautes les interactions, les interventions, les débats qui étaient prévus l'an dernier. Je suis donc particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Les équipes techniques et administratives de la Fondation ont réalisé un très gros travail de préparation et d'organisation pour que ce colloque puisse se dérouler en présentiel, mais néanmoins en toute sécurité pour les participants. Et je les remercie également. Compte tenu des difficultés de déplacement qui subsistent, notamment pour les jeunes et leurs enseignants, ce colloque est diffusé aussi en direct, en streaming, sur YouTube, permettant ainsi à un large public de se connecter et de suivre les débats. Les trois conférences plénières du matin montrent que le partenariat entre la chimie et l'agriculture est non seulement séculaire, mais en constante évolution scientifique pour s'adapter aux nouveaux besoins sociaux et économiques. Par un survol historique, illustré d'exemples, Madame Catherine Regnault-Roger montrera
que la chimie est une discipline clé pour appréhender l'évolution de l'agriculture et l'un des outils nécessaires à sa durabilité. L'essor des connaissances en génétique, en biochimie, en biologie moléculaire a ouvert la porte à la génomique, aux biotechnologies et au génie génétique, et au XXIe siècle à l'usage des technologies de l'information. Aujourd'hui, une compréhension plus étayée des phénomènes à l'action dans la croissance des plantes et des animaux de consommation alimentaire permet de développer de nouvelles façons d'agir tout en préservant les propriétés physico-chimiques des milieux dans lesquels nous vivons. Mais quelle agriculture voulons-nous ? André Fougeroux essaiera, dans cette session plénière, de répondre à cette question qui fait partie des préoccupations principales de nos concitoyens. La réponse est difficile quand on sait que la population mondiale a triplé depuis 70 ans, que la demande pour assurer son alimentation va continuer à augmenter non seulement en quantité, mais aussi en qualité et en diversité. La synergie entre l'agronomie scientifique et la chimie, qui a permis au XXe siècle la découverte des fondements de l'alimentation des plantes, avec le développement de l'utilisation des engrais et de la lutte contre les bioagressions, si utiles à la production agricole et aux consommateurs, a certes été accompagnée dans certains cas d'excès et d'erreurs. Mais nul ne peut contester de nombreuses grandes réussites aussi. De nouveaux enjeux sont aussi apparus. Au XXIe siècle, face aux besoins planétaires, l'urgence est de développer une agriculture raisonnée qui limite son impact sur les sols, le circuit de l'eau et sur la qualité de l'air et qui préserve la biodiversité et qui consomme le minimum d'énergie envisageable. Bernard Le Bohanec expliquera comment les agricultures françaises et européennes sont organisées pour répondre à ces défis planétaires afin d'établir une politique et une stratégie soutenables, notamment pour répondre à trois défis principaux: le parasitisme, les ravageurs et les maladies, y compris celles nouvelles qui résultent du réchauffement climatique. Viendra ensuite le temps d'examiner quel rôle la chimie peut jouer dans cette nouvelle agriculture. La table ronde qui suivra illustrera donc les vecteurs d'innovation industrielle issus de ces nouvelles approches, et ce, dans quatre principaux domaines. Benoît Rabillou, président de Bayer France et directeur général de Crop Science France, montrera qu'une voie existe pour concilier les attentes des consommateurs et les besoins des agriculteurs dans le domaine de la protection des cultures. L'approche combinatoire et des substances naturelles est une solution particulièrement intéressante, mais il faut avoir conscience que le temps de développement d'une innovation industrielle ne peut souvent pas répondre à la réponse d'immédiateté de la société. Dans le domaine de la nutrition des plantes, Nicolas Broutin, président du groupe Yara France, illustrera le rôle de la chimie pour décarboner la chaîne de production alimentaire sur quelques exemples. Celui des fertilisants minéraux ou naturels du sol améliore la photosynthèse et augmente la production de biomasse en captant plus de CO2. L'amélioration des technologies de production des engrais azotés pour éliminer les émissions nocives, dont la perspective d'utiliser l'hydrogène vert pour fabriquer l'ammoniac vert sans émission de CO2 dans le cycle de sa production. La création variétale, et en particulier pour la résistance aux bioagresseurs, est un axe de recherche prioritaire dans le domaine de l'agroécologie. Alors, Bruno Després, président du groupe Fleurimont, devait nous présenter, sur l'exemple de la betterave à sucre, les nouveaux outils permettant de répondre à ces objectifs. Malheureusement, M. Després nous a dit que son épouse a attrapé le Covid-19 et hier, il nous annonçait qu'il était cas contact et ne pouvait venir aujourd'hui. Mais comme tout était prêt, sa conférence sera enregistrée et elle figurera
dans les conférences vidéo qui seront ensuite mises définitivement sur le site, d'une part de la Fondation, d'autre part de Médiachimie. Donc vous pourrez, dès que M. de Merliac aura enregistré sa conférence, vous pourrez la voir. Enfin, Olivier Guéret, vice-président et directeur des opérations de la société M2I, montrera l'apport des médiateurs chimiques dans le contrôle des insectes en viticulture à partir de l'exemple du développement d'une technique de confusion sexuelle grâce à un procédé d'encapsulation douce. Alors, juste avant le déjeuner, à midi 15, je remettrai le Grand Prix 2020 de la Fondation de la Maison de la Chimie aux deux lauréats, le professeur Guy Bertrand de l'Université de Californie San Diego de La Jolla et le professeur Matti Jacewski de l'Université Cal J. Melton de Pittsburgh. Ces deux éminents scientifiques présenteront brièvement leurs travaux à cette occasion. Vous êtes ensuite conviés au déjeuner offert par la Fondation de la Maison de la Chimie dans le respect des règles sanitaires et notamment le marquage au sol et les fléchages pour faciliter la circulation des personnes et la distanciation physique, le port du masque obligatoire tout au long de la journée dans l'enceinte de la maison. Les locaux, les équipements, le mobilier sont désinfectés plusieurs fois par jour. L'installation anticipée des personnes dans les salles de restauration pour éviter les engorgements d'espace et le regroupement de personnes trop importants. La gestion optimale du flux des personnes à l'entrée ainsi qu'à la sortie des salles, entrée et sortie par rangée accompagnée par des hôtesses, la limitation du nombre de personnes dans les ascenseurs. Le personnel du centre de congrès, les prestataires partenaires sont parfaitement sensibilisés aux mesures sanitaires en vigueur et s'assureront en permanence de leur bonne application, en particulier les hôtesses qui seront en vigilance tout au long de la journée vis-à-vis du public. Une salle est dédiée à l'accueil, l'isolement de personnes qui présenteraient des symptômes durant la journée et qui seraient pris en charge par notre équipe de pompiers, ce que je n'espère pas. Toujours dans le cadre de ces mesures sanitaires, vous savez que nous accordons beaucoup d'importance au débat. Et donc, si nous l'avons fait en présentiel aujourd'hui, attendu un an, c'est pour ça en particulier. Néanmoins, les hôtesses ont l'habitude donc de passer les micros à tous ceux qui veulent intervenir. Évidemment, ce n'est pas possible dans les conditions actuelles. Donc, vous voyez que dans chaque rangée, il y a un micro en tête de rangée. Et toutes les personnes qui voudront intervenir au moment de chaque débat, après les conférences, je vous demanderai donc de vous aligner derrière ce micro et vous pourrez, les hôtesses vous accueilleront et vous pourrez intervenir, mais il faut toucher au moins de choses possibles. Voilà, donc il y a cette petite discipline qui est un peu embêtante, mais si nous voulons rester longtemps ensemble, je crois qu'il faut nous plier à cela. Les conférenciers, donc toujours je reviens au repas du midi, les conférenciers, les membres du comité d'organisation et les participants ayant une invitation spécifique de la présidence sont attendus dans les salons du président qui sont à cet étage sur la gauche. C'est indiqué sur le plan d'accès. Il y a une quarantaine de personnes en tout. Il y en a un certain nombre qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je les récupérerai. En tout cas, vous avez des hôtesses qui vous guideront et puis vous me suivez. Hein, voilà. Que je ne vous perde pas dans les couloirs. Merci donc de regarder attentivement le plan contenu dans votre pochette. Les sessions de l'après-midi sont réparties entre deux salles, cet amphithéâtre et la salle 251 au deuxième étage. Et là, vous pourrez suivre les fléchages et les marquages au sol. La session 1 est consacrée aux transformations en cours dans l'agriculture et trois nouveaux domaines vous seront présentés. La protection des plantes, car il faut rappeler que jusqu'à 50% des récoltes sont perdues dans le monde du fait de maladies, des animaux ravageurs et de la compétition avec les mauvaises herbes.
Les moyens chimiques, herbicides, fongicides, utilisés pour minimiser ces pertes sont actuellement largement débattus dans la société. Et Jean-Louis Bernard présentera les solutions de biocontrôle qui sont actuellement utilisables, leurs atouts, leurs limites et comment assurer une cohabitation harmonieuse entre ces nouvelles solutions et une chimie de synthèse largement renouvelée. Biostimuler l'interface sol-plante est une option majeure pour l'amélioration de la production végétale. Marie-Emmanuelle Saint-Margary et Olivier Demarle présenteront la chimie des échanges moléculaires au niveau de la rhizosphère, les racines, ainsi que des exemples du rôle crucial de ces échanges dans la nutrition de la plante. La place de la chimie dans le développement des biostimulants ciblant la rhizosphère est un enjeu très fort. Ensuite, Delphine Boutet montrera sur des exemples comment les outils numériques ont permis de développer et d'améliorer le pilotage des fermes dans un environnement de plus en plus instable. Variation du climat, disponibilité des intrants, prix du marché. L'aide à la décision s'avère maintenant indispensable et la circulation et la valorisation des données agricoles sont devenues des enjeux majeurs. La session 2 présente, elle, les recherches plus fondamentales en cours pour préparer cette nouvelle agriculture. Les biotechnologies interviennent depuis longtemps dans les processus d'amélioration et d'adaptation de l'agriculture. François Kepes, qui nous a déjà fait l'honneur d'intervenir comme conférencier dans le colloque Chimie et biologie de synthèse, qui a eu lieu en février 2018, présentera les apports de cette discipline pour recourir à moins de produits phytosanitaires dans l'agriculture. Thierry Caquet exposera un panorama des enjeux et des domaines prioritaires de la recherche agronomique à l'INRAE, en particulier, visant à la substitution des intrants par des processus biologiques mieux adaptés aux évolutions de l'environnement et aux attentes sociétales. La nouvelle approche de la protection des plantes est l'un des défis de la recherche, avec pour objectif de réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2025. Jean-Marc Seigne et Patrick Saint-Drenant exposeront un exemple de biocontrôle des cultures par des micro-organismes stimulateurs de défense des plantes appliqués à la lutte contre les micro-organismes aquatiques de type omicite. Enfin, la session plénière de clôture sera assurée par Jean-Yves Ledéo, qui a accepté de partager avec vous ses compétences scientifiques tout autant que sa longue expérience du monde politique et des enjeux sociétaux pour prononcer la conférence de clôture. Et je l'en remercie chaleureusement. Sur l'exemple des nouveaux outils apportés à la modification du génome, il souhaite montrer que la chimie et la biotechnologie sont compatibles avec l'agriculture durable, bien que la perception de nombre de nos concitoyens soit différente et reste très éloignée de la réalité. Pour nourrir 10 milliards d'individus au cours de la seconde moitié du XXIe siècle, sans prélèvement irréversible et destruction supplémentaire des ressources de la planète, il faut impérativement réconcilier biotechnologie et agroécologie. Les risques doivent être évalués, mais rationnellement, en tenant à bonne distance les a priori sans fondement, les partis pris idéologiques, les propagandes et les discours sectaires. Ce sera le thème de ce débat de clôture qui sera, vous en doutez, passionnant. Je tiens donc à vous rappeler que, comme d'habitude, l'intégralité du colloque sera disponible et téléchargeable dans les prochains jours, à la fois sur le site de la Fondation de la Maison de la Chimie et sur le site de notre médiathèque, mediachimie.org. Une version écrite des conférences de ce colloque sera également en ligne sur la médiathèque Mediachimie début 2022. Une version papier sera imprimée ultérieurement chez notre éditeur EDP Sciences dans le cadre de la collection des livres chimiés. Et vous avez dans le foyer, ça doit être le 25e colloque, donc vous avez les 24 livres précédents qui sont issus des précédents colloques du même nom.
et donc dont la liste vous est présentée dans les pochettes qui vous ont été distribuées. Je conseille d'ailleurs aux jeunes qui sont présents et à leurs enseignants de regarder avec attention le contenu de leurs pochettes, car nous leur signalons de nombreuses ressources pédagogiques numériques que nous mettons gracieusement à leur disposition. Et notamment, du fait du report de ce colloque, pour répondre aux besoins de ressources pédagogiques actualisées, et notamment dans l'enseignement donc, dédié à l'agriculture, nous avons réalisé, avec une partie des conférenciers de ce colloque, une série de vidéos pédagogiques qui s'appelle « Chimie et agriculture pour tous », qui est en ligne et qui est gratuitement téléchargeable sur la médiathèque de Médiachimie et sur YouTube. Eh bien, écoutez, je crois vous avoir donné les principales précisions concernant l'organisation de ce colloque, que je vous souhaite excellent et riche en débat. Et je vais tout de suite demander au premier conférencier donc, de cette session plénière, de monter sur l'estrade.